3 de Feed the Beast. Dans l'épisode précédent, nous avions fait pas mal d'explorations afin de résoudre le problème de nourriture. Et nous avions enfin réussi à réunir donc, suffisamment de papier pour pouvoir l'échanger au PNJ contre une émeraude. Et cette émeraude va nous permettre d'acheter 64 hamburgers super délicieux de la mort. Et du coup, on va faire ça. Donc dans un premier temps, ensuite on ira contaminer le biome forêt avec des vers à soie. Donc il va falloir que j'en trouve pas mal. Là je vois qu'il y a encore des... Il y a encore de la canne à sucre. Et aussi des, du blé, on va récupérer le blé. Sachant que maintenant, tout le blé qu'on va récolter va nous permettre justement de préparer les hamburgers pour plus tard. Enfin, à moins que je meure de faim avant de terminer la course au PNJ, mais je pense que là ça devrait aller normalement. Carotte. Bon, faut que t'arrêtes de poser cette table de craft. Hein. Surtout pour la poser à des endroits comme cela. On va prendre l'épée. Ça, ça évitera de poser table de craft pour rien. Surtout qu'à chaque fois, je dois l'air miner, j'ai pas de hache. Hop. Voilà, bon, je pète un peu les cultures, mais c'est pas très grave, surtout tout ce qui est patates et carottes. On n'a pas plus besoin que ça. Toujours est-il qu'on va hop, aller voir. Donc le PNJ, c'est celui qui avait la blouse blanche. Par contre, je me souviens plus lequel nous donne la bouffe. Là on a oh, du charbon aussi, il va falloir qu'on commence à récupérer du charbon, ça j'en ai pas besoin. Hop. On va miner ça. Merci. Oh, il y en avait qu'un. Ils sont où les villageois? Je veux dire les PNJ. Là il y en a un. C'est pas ça qui m'intéresse. Ah, ceux-là sont bloqués apparemment. Parce que. Ouais, il y a. Ah, j'ai pas assez de blocs. Si, peut-être avec la terre. Voilà. Bonjour, messieurs. Bon, rien d'intéressant. Et toi non plus. C'est vrai qu'il y avait aussi justement le principe des arbres. De pouvoir échanger les émeraudes contre. Différents types d'armes, bon ça on verra plus tard. Il y a quoi ici? Oh! Intéressant ça. Bronze shovel, iron binding, iron knife. Bronze binding, ouais, rien de transcendant. Obsidian and guard. Cactus, iron. Some sort of blade, ouais. Rien de très intéressant. Par contre ça. Bonjour. Tout ça. Je vais devoir le récupérer. Avec tous les patterns et tout. Bon alors il est où le PNJ? Celui qui a la blouse blanche, s'il vous plaît. Je l'ai vu tout à l'heure. On peut me dire qu'il a disparu quand même. Surtout que c'est pour lui que j'ai fait tout ça. Et tout à l'heure je suis tombé dessus direct. Ouais. Il est où? Il était en bas tout à l'heure. Mais enfin, on est peut-être là. Ici, il y a quoi? Un méchant. Ici, on voit qu'il y en a un qui est encore bloqué. Bon, ben, je crois qu'il est plus là. Oula, je me suis fourré dans un sacré bordel, moi. C'est pas trop grave. Ouais. Bon, faut que j'arrive à le retrouver. Tout à l'heure, je suis tombé dessus direct. C'est quand même fou, ça. On voit qu'il y a encore des villageois. Là-bas, il y en a plein. Ils sont tous réunis au même endroit, visiblement. Ah, ici. Non. C'est là où j'étais, non? Là, il y a quoi? Non, il y a rien. On voit qu'ils vont tous vers le nord, là-bas. Je suis un starving. Je sais pas si ça va le faire. Ah, ils sont tous là, d'accord. Ok, alors j'espère trouver. Donc celui qui a la blouse blanche, c'est celui-là. S'il te plaît.
qui a le creeper troll sur la tête. Voilà. Mais sérieux? Hop. Bah, donne-moi mon émeraude. Et... faut que je trouve celui qui donne la bouffe. Ah bah voilà, il est là. Parfait. Hop. Voilà, donc là j'ai mes 64 d'élite time mine. Donc on voit que c'est très très long à manger. Par contre, ça me donne la saturation au maximum. Donc ça, c'est cool. Voilà, avec une seule bouffe, vous voyez que là, je suis peinard pour... pour un bon moment. Donc, problème de nourriture réglé. Problème de nourriture réglé pour le moment. On va récupérer encore quelques vaches. Ouais, il y en a vraiment beaucoup ici. J'ai toujours de quoi prendre les côtelettes. Ok, donc ça c'est bon. Viens là toi. Donc maintenant il va falloir de la ficelle et du bois. Donc pour ça on avait dit on va aller dans le biome forêt qui est je sais plus où. Qui est sur la route. On peut se faire ce petit bosquet là, je pense que ce sera le mieux. C'est celui qui est le moins loin. Et surtout que celui-là il y a vraiment beaucoup d'arbres. Je pense que je vais le garder parce qu'il est pas très loin de la base. Alors, celui-là il est plus petit. Du coup, donc on va aller à l'ouest. On voit que ça part vite, hein. J'ai déjà deux trucs de saturation en moins. Mais voilà, là l'avantage c'est que je serais quand même beaucoup plus tranquille que ce que c'était. Ce que j'espère c'est que le PNJ qui échange de l'émeraude ne va pas crever, parce que j'ai vu qu'il était dans le mur. Au pire c'est pas très grave là normalement. Ça devrait suffire pour ce que j'ai récupéré. Donc là on va se diriger tranquillement vers la base. Attends, on voit que ça part vite, hein, la saturation est déjà presque finie. Ah, là il y a un arbre géant. Alors j'espère que c'est pas ça que je voyais sur la carte, non, c'est juste après. D'accord, donc ça, voilà, le petit bosquet ici, qu'on va contaminer par les vers à soie. Ouais, non, normalement, le vers à soie, il peut pas contaminer ça. Ça, c'est pas possible. Peut-être pas rêver non plus. Voilà, ici, on a le petit bosquet, qui est pas mal, je trouve. Donc, on va s'occuper de ça. Les vaches, on va les laisser ici, parce qu'elles sont pas très loin, je crois. Enfin, elles sont pas si loin que ça, même si l'idéal, c'est d'en trouver là-dedans. Et on va pouvoir contaminer tout ça. Donc pour ça, on va poser la table de craft et faire un crook. On va pas l'user par contre. Voilà. Et on va commencer la récolte. Espérant tomber sur un petit verre pour pouvoir contaminer les arbres. Ah, le problème c'est que j'ai plus de place. Ah, en plus j'ai déjà un verre, ok. Donc on le récupère, hop. Et on va contaminer. Déjà ça. Hop, voilà. Contaminer lui. Ensuite on récupère un autre. Ça ira plus vite. Et vu que j'avais commencé cette arme, autant le finir. Y'a rien. Moi ça permet de récupérer quelques saplings. Visiblement, il n'y a pas mieux. Donc, attention à pas empiéter là-haut. On va bien récupérer ça. Tant pis. Ah, il fait nuit, par contre, on va vite. On va mettre le sac de couchage, voilà. Avant que il y ait trop de mobs qui viennent popper là. Voilà. Et puis, on va continuer. Un peu de bois. Enfin, j'attends que les arbres se fassent contaminer. Il me faut beaucoup de soie. Alors, je sais pas si c'est vraiment rentable d'attendre, sachant que ça va quand même être relativement long. C'est pour ça que j'aurais bien aimé récupérer de nouveaux vers. Parce que là, ça va quand même être assez long. Voilà, là, on voit que. Que ça n'a pas du tout contaminé encore là.
Ah, parce qu'il est encore à 80%. J'ai trouvé quelques... Voilà, des arbres un peu isolés. Et virer les trucs inutiles. Le cuir, je sais même pas si j'ai besoin de cuir en fait. En tout, je vais les garder, mais je me rappelle même pas si j'en ai besoin. Ça, j'en ai pas besoin, par contre, c'est sûr, ça non plus. Quicksand, ça non plus. À savoir aussi que les vers à soie, on peut les cuire pour les manger. Mais je pense pas que ça donne beaucoup de nourriture. Parce que, voilà, manger du verre, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vu la taille du machin, je pense pas que ce soit très nourrissant. Bon, j'arrive pas à choper le nouveau verre par contre. Tant pis. Tant pis, tant pis. Du coup, il en est où là? On voit que ça a commencé à infester un peu. Et bien, c'est qu'à chaque fois, voilà, ça va infester. Et là, ça va aller partout autour. Infested, hop. Donc lui, il a presque fini. Par contre, c'est bizarre, c'est que là, ce soit infested. Ah, un nouveau verre. Hop, voilà. Pour ça que ça m'intéressait justement de. Mince, je récupère avec le croc pour avoir les verres. J'allais zapper ça. Voilà, ça continue à infester. Voilà, là ça me dit que c'est infesté. Là il est infesté autour. Hop. On récupère ça. Et il m'en faut 2 fois 9. Si les souvenirs sont bons. Ouais, ça va quand même être assez long. Et après voilà, ça va se développer. On voit que ça y est, là ça commence à infester de partout. Donc ça c'est cool. Par contre mon croc c'est presque terminé. 96, 74, voilà. Infested, hop. On récupère. Ça c'est infested, hop, hop. On récupère tout ça. Là on en a 10. Donc 11, pas. Ah, des fois ça en donne pas, je sais pas pourquoi. Lui il est infested. Là ils en donnent plus, ils ont décidé que voilà, c'est comme ça. Bah alors. Ouais, c'est bizarre, je sais pas pourquoi ça en donne plus. On va attendre que les QSO diminuent puisqu'elle nous donne tout à fond direct. On permettra d'économiser un petit peu le. La nourriture. Et je sais pas pourquoi ils en donnent plus. Vraiment bizarre. Bon, on croit que c'est presque fini, par contre j'ai plus de verre, ça c'est un peu dommage. Infested. Hop. Là-bas, il en est où? Hop. Par contre, j'ai pas eu de nouveau verre. Lui, il lui reste quoi? 10. Okay. Ah, un nouveau verre. On va aller à un autre endroit. Ah, donc là, l'intérêt, en fait, c'est à chaque fois, voilà, de dispatcher les trucs. Hop, on va le mettre ici. Et vous verrez, quand on reviendra plus tard, là, autant on attend un petit peu pour les ficelles, mais plus tard, on en aura à ne plus savoir quoi en faire. 16, allez encore 2. Et un petit dernier. Mince, je l'ai fait trop tôt. Je l'ai fait trop tôt. Allez, donne-moi. Voilà, la dernière ficelle, parfait. Du coup, on va retourner à la base. Donc c'est par là. Donc on va laisser ce bosquet se faire contaminer. Et on reviendra bah, sûrement pour récupérer les vaches, puisque là il y en a vraiment beaucoup.
À moins qu'il y en ait, comme je disais, dans l'autre bosquet qui est un peu plus au sud et qui est juste à côté de la base en plus. Donc on verra ça à ce moment-là. En fait, c'est dès que je sprint et que je saute, ça consomme énormément de... ressources de nourriture. Voilà, on voit l'espèce de quadrillage en noir là qui augmente. Même quand on marche, ça augmente quand même relativement vite. Si on a... Ah, j'ai dit, si on va pas abîmer tout ce qui est sable et argile. Voilà, là on est en starving, donc... Hop, delighted meal, on en reprend une deuxième. Et voyez le temps que ça a duré. Je l'ai mangé tout à l'heure au village, et là j'ai pu faire tous mes trucs sans devoir remanger une seule fois. Ah, par contre, j'avais pas vu que j'avais un nouveau verre à soie. On va le garder en souvenir. Et du coup, on va pouvoir donc se faire le sieve, commencer à miner un peu la base. Et là, ce que je voulais voir, c'est voir aussi s'il n'y avait pas des vaches dans ce coin. Il y a des cochons. Apparemment, il n'y a pas de vaches. Il y a des chevaux. Ça, c'est plutôt bien les chevaux. Bon, même si en soi, je m'en servirais pas spécialement, puisqu'il y a moyen d'avoir mieux. Enfin, il y a moyen. Enfin, rien que le fait de pouvoir voler, déjà, c'est quand même plus intéressant que de se balader en cheval. Ce lac de là, je pense que j'utiliserai. Oh, quoique, non, peut-être pas. J'aurais besoin d'une seule source, en fait. Sachant que je suis au pied d'un volcan, niveau lave, je serais pas trop en galère. Il faut vraiment les retrouver, les trucs. Hein. En tout cas, on a pas mal de galeries, ça c'est cool. On va se faire un petit peu d'exploration minière. Bon. On va récupérer tout ça. De toute façon, il va falloir que je mine tout ça pour faire une place forte à cet endroit-là. Je pense qu'on la fera à ce niveau-là, à peu près. Voilà, il va falloir que je fasse une nouvelle pioche. Ah mince, j'ai oublié de prendre les patterns. Tant pis, je vais les refaire. C'est vrai que j'avais dit que je devais récupérer tout ça. Il fallait aussi que je fasse des coffres en masse. 5, 6. On va faire 3 directs. Ah mince, c'est 3 doubles qu'il me faut. Double coffre qu'on va mettre là-haut. Alors, je crois qu'on peut les empiler normalement. Ouais, c'est bon. Voilà, comme ça, ici, on aura trois matières différentes. Donc, un pour les graines, par exemple. Ouais, je peux mettre les saplings dedans, les pommes, le pain, ça non. Tout ce qui est blocs de bois, de pierre, table de craft, du gravier, de la terre. Le reste, on va mettre les bouquins, le cuir. Et puis c'est à peu près tout. Voilà, on a vidé pas mal de trucs quand même. On va mettre ça aussi. Ça, on n'a pas besoin tout de suite. Par contre, le bois, j'en ai vraiment besoin. Même si j'en ai presque plus. Alors, du coup, j'avais pas de la cobble d'ailleurs. Ouais, je viens de miner de la cobble et je la range direct. Bon. À la rigueur, ce que je pourrais faire, c'est retourner au village. Ou alors, je ferais ça peut-être entre les deux épisodes. Sachant que là, on est à quoi, une vingtaine de minutes à peu près. C'est vrai que c'est pas très très loin en soi. La forge, elle était où? Elle était dans le village du désert, je crois, non? Je ne m'abuse. Là, je voulais faire quoi, du coup? Ah oui, en plus, il me faut les trucs de Tinker. Ah, j'hésite à faire un four, sachant que j'en avais dans les villages. Bah, ça y est quoi? On va retourner au village. On va faire un petit aller-retour vite fait. C'est
pas vraiment une perte de temps. Bah si quand même, mais... En fait, j'aurais dû ranger les trucs dans les coffres avant d'aller au village. Alors, on va dormir sur place et on va essayer de faire vite fait. Sachant que je peux pas aller plus vite que ça. Bon, déjà comme ça, c'est pas mal. Donc récupérer tout le truc Tinker. Je pense que je vais quand même aller miner également les... Bah du coup je vais pouvoir me crafter directement tous mes outils Tinker là-bas en fait. Juste récupérer ce dont j'ai besoin. Comme ça après je passe par le village ici. Je récupère toute la pierre pour la forge. Ce sera pas mal, puis on pourra s'arrêter là. Voilà, là, quand il me dit starving. On se nourrit. Et on y retourne. Avec l'épée à la main. C'est vrai que ça fait une petite trotte. Au moins on repart passer par le bosquet, je pense qu'il devrait être à moitié contaminé maintenant quasiment. Là, il y a un petit bug de génération, l'arc qui a popé sur le machin. On voit qu'il y a pas mal de minéraux. Alors ça, ce qui est bien, c'est qu'avec le marteau, on peut les récupérer directement. On n'a pas besoin d'avoir d'outils en fer. D'ailleurs, est-ce que je peux faire un marteau en pierre? Je crois pas. Hein. Il me semble pas. Enfin, je disais une bonne moitié du bosquet, en fait, il n'y a que dalle. Ça va faire quand même une trotte hein, pour récupérer toutes ces vaches. Ça faudra le faire, je pense que ça prendra bien un demi-épisode. Bon, au moins 10 minutes en tout cas. Pour de ramener tout ça, mais il y en a beaucoup. Quoique non, parce que j'avais dit plutôt les vaches champignons qui sont beaucoup moins loin. Ce sera plus rapide. Alors. On en est où là? Je crois que c'est vers là-bas, ouais. Ça, je me rappelle à peu près les positions des différents villages. Puis au pire, de toute façon, il suffit de regarder sur la minimap. C'est pour ça que je les ai pas mis en balisage. J'en profitais pour récolter un peu de blé. Du reste, je me demande si un chunk loader, ça vaudrait pas le coup. Dans ce village-là, il y a quand même beaucoup de champs. Quoi que vous me direz, dès que j'aurai planté mes propres ressources, j'aurai plus spécialement besoin de tout ça. C'est vraiment en attendant d'avoir mieux. Alors, c'était où? Comme ça, je me souviens plus. Libérons les villageois. Ah, ça c'est un villageois witch. Ah bah c'est là, faut que j'aille. Parfait. Ah non, c'est Tinker du coup. Ah non, même pas. Apothicaire. Bonjour. Je veux juste récupérer tout le binding. Ça, shovel. Non, j'en veux qu'un. Tout le binding. Knife blade. Unguard, j'en aurais besoin aussi. Le axe. Axe head. Unguard, shovel. Wild guard. C'est quoi Unguard? Non, c'est le. Je crois que c'est celui-là hein, qu'il me faut. Wild ray. Knife blade, chisel head, on s'en fout. Ok. Ça, on va le laisser là. Du coup, on va prendre celui-là. Ah! Ah, par contre, ah, ils étaient dedans, d'accord. Iron pickaxe head, ça c'est pas mal. À la limite, je vais l'utiliser celui-là directement, pour s'embêter. Ce qu'il m'aurait fallu, c'est faire le truc en papier. Qu'est-ce qui se passe? Stone sword.
Sword, Wooden White Guard, Iron Binding. Je vais juste faire un stick, je vais pas m'embêter. Je vais juste faire un stick en bois. Hop. Voilà. Faire la pioche. Iron pickaxe, iron binding. Et un stick. Voilà. Alors par contre le problème c'est que pioche en fer, mais je n'ai pas de fer pour pouvoir la réparer. Donc c'est embêtant. Sachant que j'ai durabilité 250. Ce qui est quand même mieux. Ah non, j'ai que 100 en plus, d'accord. Ok. Donc ça c'est embêtant. On va récupérer ça. Voilà, et le stencil c'est... Ah bah en fait faut tout que je récupère. Part builder, ouais, stencil. Il n'y a que le pattern chest que je vais pas récupérer. Et la tool station. Même si plus tard on aura la tool station de niveau 2. Piston, j'en ai pas besoin. Iron knife blade, non. Stone sword, je m'en fous. Slime sword, wooden. Copper pickaxe. J'aurais peut-être dû faire ça. Ah, bronze binding, en plus ça m'aurait permis de la renforcer. Bronze shawl. Tant pis. Je sais pas ce qui se passe. Toujours est-il que j'ai une pioche en fer. Le problème c'est que je n'ai pas les... Je n'ai pas de quoi les crafter. Et quoi ici? Ah bah y'en a encore une, d'accord, ok. Du coup ouais je l'ai forgé un peu vite. Wooden, obsidian, cactus. Bon y'a rien de spécial dans celle-là. Dans les patterns, bah tiens, on a le pickaxe. Du coup il me manque que le... Les tool rod. Je la ferai à la main. Ici on avait quoi? Copper sword, slime. Bon rien de très intéressant. Ok. Donc là on a... Bah au moins j'ai une pioche en fer, donc ça c'est plutôt cool. Je vais me faire la pelle aussi. Je vais quand même retourner là-bas. Je vais me faire la pelle en bronze ou je sais plus quoi. C'était en bronze ou en copper, je sais plus. Voilà, en bronze. Je me demande si je veux me faire la pioche en copper aussi. Ouais, du coup j'ai récupéré tous les trucs. Pas grave, on va aller juste là. Ici bronze binding copper, voilà. Elle c'est quoi? Mining iron, alors que elle c'est redstone. Et avec un diamant je pourrais la mettre mieux. Donc là on va virer l'inutile. Garder la pelle. Ici. Voilà, parfait. Donc là, on a tout ce qu'il faut. J'ai ça en fer. Je vais garder celle-là aussi. J'ai tout ce qu'il faut pour Tinker. Donc là, j'ai plus qu'à retourner dans l'autre village pour aller miner. Mais je suis pas encore en Starving. Au niveau du blé, ouais, j'en ai pas des masses. Mais j'ai de quoi en replanter, donc c'est pas un souci. Ah bah je suis en starving. Hop. On va remanger donc du bon burger. Et on y va. Avec ma super pelle en bronze. Par contre, ce que j'ai pas fait attention, c'est que... bah je vais pas pouvoir prendre le gold avec ça. Bon déjà, je vais pouvoir prendre... l'aluminium. Donc je prends l'alu, le fer et si je peux le gold. Ce qui est bien c'est que j'ai une bonne durabilité quand même. Comment ça se fait qu'elle casse pas? Ah, elle est à 550. Ah oui quand même. C'est pas mal.
Je vais où là? Je m'égare. Ah oui, carrément. J'étais parti dans la direction opposée, carrément. Voilà, récupérer donc tous les petits tas de gravier qui traînent. Par contre, j'ai pas le. Ouais, j'ai pas mining level. Ah si, j'ai redstone. Ah bien ça. Du coup, je peux miner les. Je peux miner le bloc d'or avec ça. C'est bon à savoir ça. Le bronze permet de miner jusqu'à la redstone. Enfin, du coup, là, ce sera pour les. Pour tout ce qui est gravier, mais. Ah, c'est cool. Là, la nuit va arriver, on va. Je suis pas encore au bosquet là. J'y arrive. Voir un peu où ça en est. Ah oui, mais vu que c'est pas, vu que le chunk est pas chargé, c'est pour ça que ça. En fait, ça fait une pause. Là, je suis dans le... là, je suis aux environs. Du coup, ça contamine, mais dès que j'y suis plus, ça ne marche plus évidemment. Là, il fait nuit. Hop. Petit camping au milieu de... au milieu des bois. Et on est reparti. Alors je sais plus où il était l'or, je crois que c'était pas si loin que ça de la base. Au pire c'est pas très grave. C'est surtout le fer moi que j'aimerais bien, mais je crois que le fer et l'or étaient ensemble. C'est vrai que si je peux fondre du fer directement. Quoi que je dis ça, mais tant que j'ai pas mon fond tinker, je vais pas le fondre. Où il est. Bon, je le recroiserai bien à l'occasion. Quand je vais regarder où j'en suis au niveau du time. Ah ouais, 32 minutes. Bah du coup, on va aller jusqu'à la base et ça va être l'heure. Bon, au moins, on aura récolté pas mal de ressources. On va pouvoir commencer. Bah de toute façon, j'allais dire, on va pouvoir commencer Tinker, mais en fait, c'est déjà fait puisque du coup, j'ai pu directement crafter mes outils avec ce qu'il y avait à disposition. On a encore de l'alu, on récupère. Il manquera juste du cuivre pour faire l'aluminium brass. L'aluminium brass donc qui permet de faire les moules. On peut le faire avec de l'or ou de l'aluminium brass, mais voilà, c'est quand même moins coûteux avec l'aluminium brass parce qu'il faut juste du cuivre et de l'alu. L'or il vaut mieux le garder pour autre chose. Et par contre ouais, j'ai pas trouvé l'or, bon tant pis. Salut copain. Il y a du monde quand même. Hein. Faut pas les embêter ceux-là, hein, je vous le dis. Quand on voit que ouais, dès que je me mets à courir au travers de la plaine, c'est là où la nourriture part le plus rapidement. Ah d'accord, en fait le HUD de la durabilité est un peu buggé, j'ai l'impression. Il m'affiche pas les 500 et quelques. Bon, c'est pas très grave. Non. Parce que lui, il m'affiche, ouais. Alors que elle. Ouais, elle marche bien. D'accord. Apparemment, c'est les outils Tinker qu'il aime pas. Ah bah tiens, là-bas, il y a du fer. Ouais, t'es pas très loin de la base. Ah bah là aussi. Encore de l'aluminium, on récupère hein, ça. Ça fera des trous dans la savane, mais c'est pas très grave. Du fer. Voilà, pas beaucoup. Ok. Bon, bah, j'aurais pas retrouvé l'or, dommage. On n'a pas besoin tout de suite mais... avec Ex Nihilo on en aura plein je pense. Il suffira de bien transformer. Ah du cuivre bien ça. On a pas mal de ressources. Avec tout ça on aura beaucoup d'aluminium brass. On a pas mal de gravier, je me demande si je vais pas le... Je vais pas prendre tout ça. Mais vraiment, je pensais pas que c'était si efficace, la...
la pioche en bronze, la pelle en bronze. C'est même mieux que la pioche en fer, j'ai l'impression. Bon, par contre, voilà, pour la réparer, ce sera enfin, plus coûteux. Non, il suffira de faire du bronze, mais on n'est pas encore là. Parce qu'en embêtant, c'est toujours sur les bords, là, où ça... ça bloque. Ok, bon là on est pas mal niveau... au niveau du gravier, on a quoi? Ah bon, on a un stack, c'est parfait. Sachant qu'il faudra que j'en transforme une partie. Ah, là je suis allé plus loin que la base. On va revenir, ça c'est quoi? Du tin, bon, on va prendre le tin. J'en aurais besoin ben, justement pour réparer ma pelle. Le tin d'ailleurs, je trouve ça vraiment bizarre qu'il soit de cette couleur là. Alors que sous forme de minerai, il n'est pas du tout comme ça. Hop. Voilà. Bon, bah, du coup, l'épisode sera suffisamment long, je pense. Là, ça va faire presque 40 minutes, je pense. On a encore du copper. Du coup, on va s'arrêter là. Je vais juste checker le temps. Voilà, on a 36 minutes. Donc, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye!